Bienvenue à tous sur le blog lespiedssurterre.blog. Ça fait un an que je partage avec vous pas mal d'aventures pour vous faire découvrir des coins sympas à travers la France, l'Europe et le monde, à travers une activité outdoor. Cette année, j'ai décidé de donner la parole à d'autres personnes, et en particulier des champions de sport outdoor. Et aujourd'hui, c'est Laetitia Roux qui me fait le plaisir d'inaugurer cette session vidéo. Et donc, Laetitia, en deux mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Salut, ravie d'être. Je suis la première de la série, c'est ça? Ouais, c'est ça. Wow. Ça commence aujourd'hui. Bon, joli. Je pratique le ski alpinisme en compétition depuis 12 ans, à haut niveau maintenant. Donc, c'est cette victoire à la Pyramenta. C'est 17 titres de championne du monde. Beaucoup de compètes, quoi. Ok. Donc, pour arriver à un tel niveau, j'imagine que tu as sillonné la France, l'Europe et aussi le monde. Et donc, tu as dû découvrir de super coins. Comme ça, si je te demandais quel coin et quelle activité tu conseilles à découvrir? Alors, je vais pas... Bon, je peux conseiller beaucoup d'activités parce que je suis quand même une touche à tout. Mais je vais pas conseiller le ski de rando, justement, ou le ski alpinisme. Mais j'ai envie de donner envie et de parler du VTT, parce que c'est une de mes passions, peut-être voilà, la première, la deuxième, je sais pas. Et cet été, je suis partie aux US, j'ai fait US et Canada en VTT, et c'était juste magique. J'ai passé des moments incroyables là-bas, et donc voilà, j'ai envie de vous inviter à aller là-bas. Et notamment, mon gros coup de cœur que je garde, c'est Squamish. Donc ça, c'est Canada Ouest, à côté de Whistler. Et voilà, c'est un spot juste incroyable. Donc allez-y, foncez. Pour les amoureux du VTT, du cross-country ou de la descente, de l'enduro, tout là-bas, c'est un truc de fou. Ok, donc le Canada, côté Ouest, pour toutes les pratiques de VTT. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Bah de rien, bonne avec saison. Plaisir. Merci à bientôt. À toi.